c'était une fin de série, on prend pas mal de buts, donc c'est une journée difficile. Après, ça devait arriver à un moment, malheureusement. On aurait préféré que ça arrive d'une autre manière et pas ici, chez nous. Mais on est tombé face à une bonne équipe qui était bien organisée, qui a bien joué les coups en contre. Et voilà, aujourd'hui on tombe. Donc il faut continuer, relever la tête, travailler et puis enchaîner les matchs parce que ça va être compliqué jusqu'au bout. Non, parce qu'on savait très bien que souvent après les grosses performances comme ça, bah derrière c'est un peu plus dur. Mais comme je dis, on est tombé face à une bonne équipe qui nous a mis en difficulté. On n'a pas réussi à trouver. On n'a pas eu beaucoup de situations, on va dire, offensivement. Derrière, on a été très fébrile et on perd ce match logiquement. C'est un match qui d'entrée n'a pas tourné en notre faveur. Et voilà, ça arrive. Comme je l'ai dit, j'aurais préféré que ça n'arrive pas et qu'on continue notre série. Maintenant, il faut continuer, relever la tête, continuer, et puis on verra bien ce que ça va donner. Non, mais inquiet, non, parce que, comme je dis, on a une petite marge, mais on sait aussi qu'on a un groupe de qualité, il ne faut pas se laisser abattre. C'est une déception, je pense, pour tout le monde, mais ça continue, voilà. On a une journée de récup demain, et puis dès lundi, on s'y remet, et puis on va à la Nîmes pour essayer de prendre un maximum de points.